Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Fear not, little flock, from
the crown. Here heaven cried, he went for his own. What's the Christmas star say now? Only believe, all things are possible. Only believe. Oh, quel Dieu glorieux! Quel Père rempli de miséricorde! Mes amis, permettez-moi de vous dire ceci en tant que votre pasteur. Vous ne vous rendez pas compte des privilèges que vous avez. Vous ne vous rendez pas compte. Beaucoup de grands hommes, beaucoup de saints, des milliers d'hommes saints sont morts au cours des années passées. Des hommes remplis de l'Esprit qui auraient aimé voir le jour où vous vivez. Vous et moi, profitons-en. Vers quoi d'autre pouvons-nous tourner nos regards? Après ceci, que pouvons-nous faire? Où allons-nous? Qu'est-ce qui va arriver? Il nous faut aller quelque part. Vous ne pouvez pas toujours rester ici. Vous pouvez tendre votre gazon la semaine d'après. Il faut de nouveau le tendre. Oui, deux fois d'ici là. Vous pouvez élever vos enfants. Vous leur donnez à manger à midi à l'heure du souper. Ils ont encore faim. Vous leur donnez à manger à l'heure du souper. Ils ont de nouveau faim le lendemain matin. Vous leur achetez une paire de souliers. S'ils sont comme les miens, au bout d'à peu près 2 ou 3 mois, vous leur en achetez une autre paire. Vous leur achetez des vêtements ce mois-ci. Mais dans 1 mois ou 2, vous leur achetez de nouveaux vêtements. Voyez, il n'y a rien qui dure. Il n'y a rien qui soit stable. Il n'y a rien qui tienne. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde qui se détériorent si rapidement. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Le temps n'est que changement rapide. Rien sur terre n'est immuable. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Tiens la main du Dieu vivant. Tiens la main du Dieu vivant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Écoutez. À la fin de notre voyage, il nous fera savoir quand ce sera terminé. Si à Dieu nous avons été fidèles, notre belle demeure dans la gloire, cette ville ointe, notre âme ravie contemplera. Tiens la main du Dieu vivant. Tiens la main du Dieu vivant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde qui se détériorent si rapidement. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles.
ne passeront jamais. Tiens la main du Dieu vivant. Tiens la main du Dieu vivant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Alors que nous courbons la tête, si vous n'avez jamais pris sa main, venez donc le faire maintenant. Tiens la main du Dieu vivant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Jeune fille, tu es une jolie fillette en ce moment. Tu as de beaux cheveux, tu as des petites joues roses. Mais tu sais, le moment où elles auront perdu leur couleur est aussi proche que demain. Qui sait si la semaine prochaine, la vermise ne sera pas en train de ranger ses belles petites joues roses dans la terre. Jeune frère, tu es fort, tu es bien musclé, tu as plein d'ambition. Mais dans peu de temps, c'est aussi proche que demain, ces beaux cheveux bouclés vont se mettre à tomber et ceux qui te resteront vont devenir gris, tes larges épaules carrées vont s'affaisser et la vermise va ronger tes bras et ta chair. On te portera pour te mettre en terre. Alors bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Elles ne passeront jamais. Tiens la main du Dieu vivant. Tiens la main. Je veux que vous leviez la main pour prendre la sienne maintenant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Alors à la fin de ce voyage, un jour elle arrivera. Si à Dieu tu as été fidèle, ta belle demeure dans la gloire. Ton âme ravie contemplera. Alors vas-y, tiens la main du Dieu vivant. Tiens la main du Dieu vivant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. J'ai vu bien des choses. Depuis bientôt 31 ans que je suis derrière cette chair, j'ai vu bien des choses. Depuis bientôt 31 ans que je suis derrière cette chair, j'ai vu des choses tristes, j'ai vu des choses glorieuses. La chose la plus triste que j'ai vue de toute ma vie, pourtant j'ai vu des enfants qui mouraient de faim dans les rues. J'ai vu des mères qui mendiaient pour avoir un morceau de pain. La chose la plus triste que j'ai jamais vue, c'est de voir un jeune homme, un être humain,
qui aurait dû être un fils de Dieu en train de mourir sans connaître Dieu. Je me souviens d'une femme qui était à la porte de cette église un soir et qui s'est moquée de moi. Elle disait, je ne laisserai pas ma vache pratiquer le genre de religion qu'il a, lui. Moins d'une heure après, on m'a fait venir à l'hôpital. Une femme ravissante d'environ 22 ans, elle hurlait, faites venir ce prédicateur. Elle était de confession catholique. Quand je suis arrivé, la vieille sœur a dit, vous arrivez trop tard, frère Branham. Elle est morte il y a à peu près 5 minutes. J'ai dit, est-ce que je peux la voir? Elle m'a dit, elle vous appelait en hurlant. C'était ses derniers mots. Faites venir ce prédicateur, frère Branham. Son mari était là et il criait, dites une prière pour lui, dites une prière. J'ai dit, c'est trop tard maintenant. J'ai rabattu la couverture. Elle avait de grands yeux bruns. C'était une femme ravissante avec des petites taches de rousseur sur le visage. Les cheveux aux burnes très attirantes. Elle avait tellement souffert que les taches de rousseur sur son visage ressortaient comme des boutons. Elle avait des yeux complètement exorbités comme ça. Et naturellement, ses intestins et ses reins avaient travaillé. C'est qui. Ça arrive à la plupart des gens quand ils meurent. Et elle était étendue là dans cet état, la bouche ouverte. Et les paupières à moitié rabattues sur le brin de ses yeux. Je ne l'oublierai jamais. Ce cantique-là m'est arrivé à l'esprit. Ne convoite pas les vaines richesses de ce monde, la beauté, l'éclat. J'ai été à côté d'un homme tout près ici à Port-Fulton. Il se mourait. On m'avait appelé à son chevet. Un soir, j'avais prié avec lui ici à l'hôtel. Il avait passé son bras autour d'une femme. J'ai dit, enlevez votre bras autour de cette dame. Il a dit, je la conduis à Dieu. J'ai dit, pas avec votre bras autour d'elle. Je ne crois pas à ce genre de choses-là. Il s'est fâché contre moi. Il est sorti en tapant du pied. Je suis allé le voir peu de temps après. Il était en train de mourir. Il m'a regardé dans les yeux. Il a dit, ne priez pas pour moi, frère Bill. Je suis perdu. Je suis fini. Il a dit, tout ce que j'avais accompli jusqu'ici, je l'ai perdu. Un jour, j'étais tout près d'ici à l'angle là-bas, auprès d'un homme qui m'avait appelé à son chevet au moment de sa mort. Il a dit, j'ai toujours voulu faire telle et telle et telle chose. Il a dit, mais je n'ai jamais servi le Seigneur. Bien des fois, je me suis retenu pour ne pas aller à l'autel. Il a dit, frère Branham, priez pour que Dieu laisse ma petite fille préparer les choses que j'ai faites. Peut-être qu'elle pourra faire quelque chose pour le Seigneur. J'ai dit, ce n'est pas possible, frère. Les choses que vous auriez pu faire, c'est perdu. J'ai été à côté d'un homme, je l'ai vu lutter contre les démons pendant 24 heures. Il disait qu'il y avait des démons autour de son lit avec des chaînes autour du cou. Il disait, ne les laissez pas m'attraper. Il hurlait, il fallait le retenir pour qu'il reste au lit. Il disait, il est là, vous ne le voyez pas? Il vient me prendre. Il avait repoussé Dieu trop longtemps. Il avait de vastes granges toutes remplies de foin, remplies de blé, des beaux chevaux de course. Une année avant ça, il avait maudit Dieu en face. Il avait giflé sa femme parce qu'elle venait au tabernacle. Vous savez ce qui est arrivé? La foudre a frappé sa grange, tué ses chevaux et brûlé son foin. Et cet homme est mort avec ce genre de sort sur lui, en se débattant pour écarter les démons de sur lui. Et puis un vieil ami à moi, gloire. Là-bas, il était arrivé au bout du chemin. J'ai dit, vous vous en allez, papa? Il a dit, ça y est, Billy. J'ai dit, comment est-ce? Il a dit, tout va bien. Il a dit, fais venir mes enfants à côté du lit. Il a posé ses vieilles mains affaiblies sur chacun de ses enfants et il les a bénis. Il a dit à ses deux fils, il a dit, soutenez mes mains. Tenez-les levées comme Josué et Caleb l'ont fait. On s'est demandé ce qu'il allait dire. Il a dit, quel jour heureux. Depuis que Jésus a lavé mes péchés, il m'a appris à veiller, à prier et à vivre chaque jour dans la joie. Mes amis, nous devrons en arriver à certaines de ces choses. Chacun désire bien manger, avoir une belle voiture, avoir ce que l'on peut avoir de mieux. Je ne le lui reproche pas, il n'y a pas de mal à ça. Dieu veut que vous ayez ces choses. Mais ne convoite pas les vaines richesses de ce monde qui se détériore si rapidement. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. They will never pass.
elles ne passeront jamais. Maintenant, levons les mains en chantant. Tiens la main du Dieu vivant. Tiens la main du Dieu vivant. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. Maintenant, levons-nous. Tournons-nous vers quelqu'un pour leur serrer la main. Nous allons continuer la réunion quelques instants. Mais je voudrais que vous vous tourniez pendant que nous chantons encore un couplet de ce cantique. Tiens la main du Dieu vivant. Fais le père, fais le papa, vers Dieu. Fais le adolescent. Fais le frère, fais le frère. Bâtis ton espoir sur les choses éternelles. Tiens la main du Dieu vivant. N'êtes-vous pas heureux à cause de lui? Dites Amen. Tous ceux qui l'aiment, dites gloire au Seigneur. Tous ceux qui croient que vous allez à cette ville carrée, levez la main. Oh, un instant avant de continuer à jouer. I'm bound for that beautiful city. Je suis destiné à cette ville magnifique. C'est comment déjà que le Seigneur a préparé pour les siens, où tous les rachetés de tous les âges chanteront gloire autour du trône blanc. Parfois j'ai la nostalgie du ciel et de la gloire que j'y contemplerai. Quelle joie ce sera, mon Sauveur, je verrai dans cette magnifique ville d'or. Vous aimez ça, n'est-ce pas? Je suis destiné à cette ville magnifique que mon Seigneur a préparée pour les siens, où tous les rachetés de tous les âges chanteront gloire autour du trône blanc. Oh, parfois j'ai la nostalgie du ciel et des joies que j'y contemplerai. Quelle joie ce sera, mon Sauveur, je verrai dans cette magnifique ville d'or. L'aimez-vous? Alors, réveille-toi du nom de Jésus. Oh, toi, enfant de tristesse, il va te procurer la joie. Prends-le partout où tu vas. Précieux nom. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. Précieux nom. Nom si doux. Espoir de la terre, joie du ciel. À présent, je vais prier pour vous. Heavenly Father, Père céleste, combien je suis attristé parfois quand je regarde les gens qui m'aiment et que je vois la manière dont tu prends la parole et que tu la portes. Elle tranche vraiment jusqu'à la moelle des os. Mais ensuite, tu viens confirmer que c'est la vérité. C'est la vérité.
Voici des hommes et des femmes, même des demoiselles, des petites filles qui sont ici, la tête inclinée, des larmes aux yeux, à la croisée des chemins dans leur vie. Je pense aux endroits où ils auraient pu se retrouver dans ces groupes où les gens dansent du twist, du rock'n'roll là-bas, possédés par le diable, opprimés par des démons. Les voici qui se tiennent ici ce soir, les cœurs inclinés, désirés d'avoir quelque chose sur lequel poser la main et dire: Éternel Dieu, purifie-moi de toutes les choses du monde. Voici des hommes d'âge moyen, des jeunes hommes, des femmes âgées, des jeunes femmes qui sont là tous ensemble. Ils confessent qu'ils sont dans l'erreur. Tu as parlé à leur cœur, sinon ils ne seraient jamais venus ici. Et pour preuve, ils n'auraient même pas pu se lever de leur siège sans avoir pris une décision au préalable. L'Esprit de Dieu a été sur eux et leur a dit: tu es dans l'erreur. Et leur petite vie a dit: dans ce cas, j'ai besoin de toi, Seigneur. Et le diable a dit: ne bouge pas. Mais l'Esprit de Dieu a dit: lève-toi. Obéissant, ils se sont avancés et les voici ici à l'autel. Maintenant, comme je t'ai cité ta parole, je ne mettrai pas dehors celui qui viendra à moi. Si vos péchés sont comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront blancs comme la laine. Venez acheter de moi du vin et de l'huile. Ma grâce est suffisante. Celui qui écoute mes paroles et qui croit, celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Maintenant, les noces de l'agneau sont venues et l'épouse s'est préparée. Father, they are yours. They're trophies. Père, ils sont à toi. Ce sont des trophées de ta parole. Ils sont ici pour être lavés par l'eau de la parole, car c'est le plein évangile. Ça n'épargne rien. Ça coupe en profondeur. Ça descend jusqu'à la maternelle. Ça arrache les racines. Les racines de l'amertume, les racines de l'indifférence, les racines du monde. Arrache les seigneurs par le Saint-Esprit. Délivre ces gens de tout ça. Je les réclame pour toi ce soir, Jésus, comme ton trésor personnel, comme des joyaux de ta couronne, comme des membres de ton épouse. Je réclame leur vie. Je prie de tout mon cœur avec ces ministres, ces serviteurs du Dieu vivant. Seigneur, je te prie de les dépouiller des choses du monde et de leur donner le courage d'affronter Satan. Accorde le Seigneur. Nous croyons que tu le feras. Tu as dit: tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai. Eh bien, tu n'as jamais dit: et peut-être que je le ferai. Tu as dit: je le ferai. Et je crois que c'est vrai. Maintenant, il est écrit dans les Écritures: en mon nom, ils chasseront les démons. Un seul démon prendrait une jeune fille ou une jeune femme et gâcherait sa vie. Un seul démon prendrait un homme et gâcherait sa vie. Et dans ma prière, Seigneur, je vais mentionner cette petite histoire. Et je te prie de m'entendre et d'exaucer ma prière. Que chacun de soi réclame ce soir pour être des joyaux du royaume. Ils sont venus et je dois répondre de mes paroles ce soir. Et les voici ici. Ils sont venus se tenir avec moi pour que nous prenions notre place aux côtés de Christ. Maintenant, Satan, tu as perdu. Tu en as retenu quelques-uns, mais tu n'as pas gagné la bataille. Jésus a dit: je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Satan, je te fais savoir qu'un jour, il y avait un petit garçon qui faisait paître les brebis de son père. Et un lion est entré et en a attrapé une, l'a amené, l'a férocement maltraité. Et se prépara à la dévorer.
Mais ce fidèle petit berger, il n'avait pas grand chose à part une offrande. Mais il avait foi dans le Dieu vivant. Il a couru après ces lions, l'a attrapé et il l'a tué. Il s'est dressé contre lui et l'a saisi par la barbe et l'a tué. Il a arraché la brebis de la gueule et l'a ramené au pâturage pour qu'elle puisse guérir. Tu t'es emparé de ces précieuses brebis de Dieu. Ces dames, et ça les a poussées à se couper les cheveux, à se maquiller et à ressembler aux choses que la Bible condamne et tu pensais les avoir eues. Mais je viens avec cette simple petite offrande de la prière. Je les ramène ce soir. Tu ne peux plus les retenir. Tu as perdu la bataille. Ces précieux hommes qui sont ici, ces agneaux de Dieu, relâche-le. Nous t'adjurons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je place entre ces habitudes, ces tempéraments colériques, cette immoralité et quoi que ce soit d'autre, je place le sang de Jésus-Christ par la foi entre eux et cette chose une fois de plus. Tu ne t'empareras plus d'eux. Ils sont dans le pâturage du Père. Ils sont ses enfants. Éloigne-toi d'eux. C'est au nom de Jésus-Christ que je te l'adjure. Aucun démon de l'enfer ne peut vous toucher si vous croyez cela. Vous êtes couvert par le sang. Vous êtes entouré par la prière. La prière des ministres de l'Évangile et des messagers de l'Alliance. Vous tous qui êtes ici, venez par ici, vous tous qui reconnaissez que vous aviez des habitudes et des fouets et des choses dont vous avez honte. Si vous les déposez maintenant sur l'autel des reins du jugement de Dieu et que vous acceptez cela maintenant comme votre pardon, que Christ vous a accordé cela, voulez-vous bien faire cette offre par la foi, lever la main et dire, j'accepte cela, c'est parti, et à partir d'aujourd'hui, je ne ferai plus jamais cela. Vous êtes sauvés par le sang de Jésus-Christ. Amen. 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 Praise be to God. Que Dieu soit loué. Quelqu'un d'autre voudrait-il venir se joindre à ce groupe? Y a-t-il quelqu'un qui est malade dans le bâtiment et qui voudrait bien se lever maintenant même pour qu'on prie pour lui? Levez-vous. J'aimerais que chacun de vous ici, si vous n'êtes pas membre d'une bonne église du plein évangile, fréquentez-en une, celle-ci, si vous habitez dans les environs. Allez voir le pasteur et faites-vous baptiser. Et si vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit, priez que Dieu vous donne le Saint-Esprit et vous remplisse et qu'il fasse vous un membre de l'épouse. Mes frères, regardez là-bas, voyez tous ces malades. Le diable ne peut pas retenir ces gens. C'est le moment d'être délivré. Alléluia. Vous croyez cela? N'est-ce pas? Alors courbons la tête pour la prière. Et vous tous là-bas qui êtes malades, vous qui êtes debout, imposez-vous les mains les uns aux autres. Jésus-Christ a dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent leurs mains aux malades, les malades seront guéris. Posez vos mains les uns sur les autres. Maintenant, ne priez pas pour vous-même. Priez pour les personnes sur qui vous avez posé les mains parce qu'elles prient pour vous. Maintenant, prions ensemble en tant qu'église chrétienne. Seigneur Jésus, nous sommes reconnaissants pour la victoire ce soir. Ces âmes qui viennent à toi. Or, le diable s'est emparé de quelques-unes de tes brebis par la maladie. Nous venons les réclamer. Et en tant qu'église du Dieu vivant, nous réprimandons le diable et nous disons, Satan, relâche ces malades. Nous t'adjurons au nom de Jésus-Christ afin qu'ils soient guéris. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. C'est la promesse de Dieu et nous savons que c'est vrai. Ils sont guéris par les maîtres sûrs du Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, si vous le croyez, levez la main et donnez-lui la gloire. Amen. Très bien, pasteur, c'est à vous maintenant. Que Dieu vous bénisse, frère. C'est vraiment agréable d'être avec vous ce soir. Que Dieu soit avec vous. Que Dieu vous bénisse, les frères qui sont ici. Oh,
is tonight for me to be able to welcome God's promise. Avec